Mise à l'honneur dans l'édition du Pouet par le kiosque le 22 avril 2021, Bernard Tapie s'est laissé aller des confidences. Victime d'une violente agression, il préfère relativiser et n'en tirer que le côté positif. Depuis quelques années, Bernard Tapie mène une vie particulièrement difficile. Alors qu'une accusation d'escroquerie de détournement de faux publics plane au-dessus de cette affiche, également un double cancer de l'œsophage et de l'estomac. Ce contre qu'il aussi était victime d'un cambriolage. Il en est d'ailleurs parlé auprès du PBNP. D'une violence inouïe dans les nuits du 3-4 avril 2021, l'ancien président de l'OM et ses femmes ont été tabassés par des cambrioleurs. Le politicien Bernard Tapie. Photo Getty Image. Bien que ce maladie soit de notoriété publique, ils ne se sont pas gênés pour le roi de coupe. Ce les deux, c'est sa femme qui était les plus lésés. Agacés de ne trouver ni coffre fort ni le liquide qu'ils réclament, ils ont passé leur frustration sur ce pauvre femme. Évidemment, le couple a fini l'urgence. Le pauvre en a perdu le sommeil, le politicien Bernard Tapie. Photo Getty Image. Il ne tire que du positif comme avec ses malades et il préfère ne pas dramatiser les situations. D'ailleurs, il trouve même qu'il y a eu du positif dans tout cela. Je crois, c'est dire, son fils l'aurait accompagné de sa femme et de leurs enfants devaient tous se retrouver chez eux ce fameux soir. D'autant que c'était le fête de Pâques. Finalement, il remercie le ciel puisque ce programme ne s'est pas fait. Tout seul est arrivé week-end Pascal. C'est un signe. Ce sont les clous de mes croix. Et je veux croire que des 10 meubles se sortent des résurrections. L'émission Vive mon dimanche par Yo France le 15 septembre 2010, Bernard Tapie. Photo, Getty Images. Des mots déchirants sur son père Bernard Tapie, très souvent sollicité par les médias, il faut dire qu'il y a de coudre avec tout ce qu'elle doit endurer en ce moment. Sur elle, c'est qu'il a non seulement parlé de sa maladie, mais aussi de son enfance. Il est d'ailleurs sorti des mots déchirants à propos de son père. Le politicien Bernard Tapie. Photo Getty Images.